Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pentiment, un jeu développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Voilà, donc on se retrouve au tout début du troisième acte. Donc pour résumer un petit peu, dans le premier acte, on a enquêté sur la mort du baron et nous avions accusé, alors vous pouviez accuser 5 personnes. Chez nous, finalement, c'est le tailleur de pierre qui s'est fait décapiter. Dans le deuxième acte, vous enquêtez sur la mort de Otto. Il y a 3 suspects. Nous en avons trouvé 2. Et on avait fait accuser l'abbé. Suite à cela, eh bien, il y a eu des émeutes avec les soldats du duc qui ont mis la vallée à feu et à sang, entraînant la mort de notre cher Andreas Mahler et laissant partir son jeune apprenti Caspar. Alors, ici, vous avez encore une fleur. Vous voyez que voilà, elle a son propre lit pour pouvoir dormir. Nous, on va juste récupérer les plans. Et nous avons encore un autre mot suspect.
Alors, pour ceux qui ont oublié le Rathaus, c'est donc la nouvelle construction qui est à côté de la maison du médecin. Rétameur, entretien bricole la presse, domestique, qui a trait aux travaux ménagers ou aux animaux, ou comptabilité avec les chiffres et les données. On va mettre rétameur. Alors, elle peut être barbare, elle peut taquiner les gens et les charmer, elle peut être dure en affaires ou elle peut être une sacrée fouineuse. On va la prendre comme marchande. Alors, on peut être polyglotte. Volksbücher. Ou dans la réforme. On va la mettre polyglotte.
On voit que l'horloge, elle a même changé aussi, hein. Elle a évolué. Alors, on va se mettre au bureau.
Alors, nous allons écrire. Donc là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que d'aller se coucher.
Alors, on va commencer par Martin Bauer. On va parler à Brigitta. On va aller dans son sens, hein. On va commencer par Fumeron. Alors pour ça, on va se rendre dans la forêt. Ça c'est Nico l'aubergiste. On va lui faire un petit coucou. Thank you.
Là, il y a notre fameux Apollo. Là, vous avez encore notre fleur. Si jamais vous n'avez pas obtenu votre succès. Et là, on a un puits de mine. Alors, ici, vous avez un succès qui vous demande de demander de l'aide pour descendre dans le puits de la mine. Et en même temps, vous avez aussi un autre succès qui est découvrir ce qu'Artémis et Apollo comptent faire avec les grenouilles. Donc, on va les solliciter. Voilà. Et ici, on voit qu'il n'y a plus rien. Alors là, vous avez Apollon. Là, c'est les fameuses grenouilles. Alors, voyons, fumeron.
Alors, nous allons trouver Peter Ledolan. Qui est ici dehors. Ah.
Bon, au final, on devait demander un petit coup de main à Clara, donc ça tombe bien. On va aller par là. Donc là, vous avez encore une autre plante, si jamais. Alors ici, c'est là où vous pourrez trouver un coup de main. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'obtenir de l'aide de la part des jumeaux, on pourra obtenir une corde par là. Il faut qu'on trouve. Artemis. Alors, les Kreutzer. Til le noir. Ah mince.
Voilà. Donc là, pareil, on a réussi à convaincre Till le Noir. Alors bon, si on avait été moins impatiente, ça aurait été un sans faute. Eva et Christine, enchantée. Ah, encore une autre fleur. Notre chère Artemis est ici. Dites-moi ce que vous faites. Choisissez bien. Dites-moi ce que vous faites. Et dites, j'ai hâte de voir la tête du père Thomas. Très bien, donnez-moi la clé. Ici, vous avez obtenu le succès second test parce que vous avez réussi à découvrir ce que comptaient faire Artemis et Apollo avec les grenouilles. Donc nous allons effectuer cette quête afin que Artemis et Apollo puissent nous aider à descendre dans la mine. Alors, c'est pas essentiel à ce que ça soit spécifiquement eux qui nous aident, étant donné que vous avez aussi l'inventeur qui peut nous fournir un précieux équipement pour descendre dans la mine de sel. Mais bon, on va en profiter et du coup, comme ça, on remplit notre quête de A à Z. Donc là, vous allez vous rendre à l'église.
Père Thomas, il est là. On va juste regarder à nouveau. Donc là, dans notre quête, on a rendu la clé, hein. On va retourner voir du coup Artemis. Donc, on se rend au sanctuaire et on lui fait notre rapport. C'est parti. Et si vous avez obtenu votre succès, regardez avant de grimper, puisque vous avez réussi à demander de l'aide aux deux jumeaux. Alors, l'autre astuce, c'est que si vous n'aviez pas effectué la quête de la grenouille auparavant, eh bien, vous auriez pu demander à l'inventeur de vous fournir une corde. Et cette corde vous aurait permis de descendre dans la mine et d'obtenir malgré tout votre succès. Donc voilà, vous avez la possibilité de demander soit aux jumeaux, soit à l'inventeur Balthazar, mais nous, comme du coup, on en profite pour faire deux succès en un coup, eh bien, on demande aux jumeaux de nous fournir un petit coup de main. Bravo! On va pouvoir continuer à explorer notre mine, donc cliquez un peu sur tout, en fait, hein.
Ouais, juste. Voyez qu'il y a plein de grottes. Alors, on est allé au bout. Donc, on va aller par cette grotte-là. Alors, juste avant d'aller par là, il y a encore ça. Donc voilà, là on a exploré la toute première grotte. On peut pas aller plus loin, donc ça va, c'est assez linéaire. Alors, on va rentrer ici. Donc là, vous avez un petit puzzle. Voilà.
Voilà, donc on va pouvoir remonter. Et on quitte la mine. Alors, avant d'aller au Rathaus, peut mentir. Donc je disais, avant de nous rendre au Rathaus, voilà. Et on va travailler sur la fresque.
Alors, vous pouvez utiliser la poterie, les outils. Vous pouvez raconter l'histoire de Fumeron. Ou recréer une image, celle qu'on a reconstituée à l'aide de la poterie. Et en faisant ça, en fait, les sacrifices humains. On va faire une sorte de compromis. On va écrire.
D'autres choses à faire. Alors, on va commencer par le moulin. Ah, il y a un petit Andreas là. Alors, on va voir si on la trouve ici. Elle est là. Ensuite, on va parler à Père Thomas.
Continuez toujours d'écouter, hein. On va lui faire plaisir à Père Thomas. Alors, ça, c'est bon, c'est fait. On va pouvoir... Regardez, hein. Mais tout est bien délabré, hein, vous voyez, bien à l'abandon. Alors, notre sœur Gertrude, elle se trouve encore et toujours au niveau du jardin. Allez, on se rend dans le jardin et on va parler à notre chère Gertrude. Vous voyez, il n'y a plus de fleurs du tout au milieu, hein. Il reste toujours l'animal, par contre, si vous ne l'avez pas caressé. On a fait tout ce qu'on devait faire, donc oui, on va y aller. Vous pouvez soit mentir,
Faut être assez honnête, hein. Ok, notre chère amie Margaret. Donc, il y a la cuisine. Vous voyez qu'effectivement, n'y a pas grand-chose. On va dire qu'on va...
Rendez-vous ensuite à la chapelle. Du coup, la chapelle, nous l'avons faite. Et la cuisine, on l'a fait. Donc, on va pouvoir aller dans la cour.
Alors ensuite, donc là, il n'y a rien à voir. Là, cliquez un peu sur tout. Là, pareil, si vous n'avez pas obtenu votre succès avec l'art de la persuasion, eh bien, vous pouvez tenter de l'obtenir ici. Alors,
On peut rentrer dans l'église. On va rentrer dans l'église. Donc, passer par la tour. Là, vous avez encore une fleur, si jamais. Et ici, vous avez donc le fameux chat dont je vous ai parlé. Donc, très important de pouvoir avoir dans l'acte 2, donner une saucisse au chat. Ici, donc, nous avons interagi avec le chat pendant notre exploration des ruines. Et enfin, pour valider notre succès, eh bien, on parlera au frère, au nom imprononçable, en ville.
qu'on voit, hein. Donc on va effectivement se rendre au Hot House, c'est pas grave. Alors, alors, faisons tout cela. Thank you.
On doit toujours résoudre effectivement ce fameux mystère des notes. Moi, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo si elle a pu vous aider. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter. On se retrouve très bientôt, du coup, pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.